Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une routine à la journée avec les filles. Enfin, je dis à la journée, mais cette vidéo-là a commencé en début d'après-midi, donc ça sera plutôt une routine du début d'après-midi jusqu'à la soirée avec les filles à la maison. Donc, c'est parti! Toutes mes petites routines commencent souvent par un petit moment câlin ou un petit moment jeu. Donc là, c'était un petit moment jeu avec la nouvelle balle Liquit où en fait on met des petits bonbons dedans et le cheval la fait bouger pour faire sortir les petits bonbons. Et c'est le seul jouet avec lequel joue Mala. Et c'est juste super cool. Hermione aime aussi beaucoup, mais elle a du mal à comprendre le principe. Donc du coup, j'essaye de lui expliquer. Ensuite, le moment un petit peu moins cool de tous les jours, c'est le nettoyage du paddock. Donc le nettoyage du paddock, j'essaye de le faire tous les jours avec une petite pelle à crottin, tout simplement en y mettant dans une poubelle, et au moins tous les 2 jours avec la brouette en ramassant vraiment vraiment tout. Donc tout ce qui est restant de foin, tout ce qui est poussière, parce que c'est vrai que le paddock est assez poussiéreux avec ses temps très très secs en ce moment. Donc du coup je ramasse vraiment tout, crottin, poussière, tout ce qui pourrait traîner, qui est tombé des arbres ou des choses comme ça, pour que ça soit le maximum sain, on va dire, sur un petit espace, que ça soit vraiment propre et que ça reste agréable pour les filles. Après s'être attaqué au paddock, on s'attaque ensuite au box. Donc aujourd'hui, c'était simplement repaillage. Donc je repaille le box tous les jours et je le cure en général tous les 4-5 jours maximum. Donc là, je l'avais curé 2 jours avant. Donc aujourd'hui, c'était tout simplement repaillage. Ensuite, une fois par semaine, je me force à tout désinfecter et nettoyer, donc mangeoire, seau et bassine à eau. Pour la bassine à eau, c'est un petit peu une exception parce que avec ces chaleurs-là, l'eau a tendance à vite croupir et ça fait vite un petit film un peu vasqueux, je ne sais pas si ça se dit, au fond de la bassine, et c'est juste dégueulasse. Donc du coup, je la rince tous les jours, et tous les jours, j'essaye de mettre un petit coup d'éponge pour que ça soit le maximum propre, parce que c'est un truc, ça, l'eau dégueulasse dans les prés ou dans les box, c'est un truc que je ne peux pas. Donc je fais très très attention à ça. Ensuite, je désinfecte la mangeoire, les seaux, etc. Avec de la javel, tout simplement, que je rince bien comme il faut pour que ça puisse tuer tout ce qui est petites bactéries. Et voilà, donc je me force à faire la maniaque, même si j'en suis une au fond. Mais voilà. Vient ensuite un de mes moments favoris, c'est vraiment passer du temps avec les filles à la maison, en vacances, c'est juste un bonheur. Donc Mala ne travaille pratiquement pas en ce moment, à part exceptionnellement où elle fait une petite longe ou une petite balade, mais bon, elles sont vraiment en vacances à la maison. Donc à peu près tous les 2-3 jours maximum, je leur fais un gros pansage complet à toutes les deux. Donc magic brush, bouchon, démêlant, je fais les crins, en général je graisse les pieds, ce n'était pas le cas aujourd'hui, je cure les pieds, enfin bon, tout un pansage complet, que ça soit pour Hermione ou pour Mala, et ça leur fait le plus grand bien. Et moi, ça me fait vraiment du bien de passer du temps à pied comme ça avec les filles, genre sans se presser, en prenant vraiment son temps et tout, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, elles sont vraiment adorables depuis qu'elles sont à la maison. Et voilà, du coup, petit pansage time pour les nanettes. Thank you.
Je suis en descente, mais... Je vais faire comment pour monter là-haut? Oh, viens voir d'ici comment elle est énorme, Hermione. Genre, viens voir sur la vidéo. T'as vu le fait que ça fait? Mais regarde, tu fais comment pour monter sur un truc aussi grand? Mais en plus, elle va vraiment faire sauter, bah, écoute, à peu près. Quoi, le jour où tu montes dessus, je viendrai te voir. Comme ça, je verrai pour moi après, tu vois. Ouais, c'est chaud, hein. Ensuite, après tout ça, vient enfin le soir. Donc on passe à ma petite routine du soir qui est très très simple. Donc je commence par enlever les masques anti-mouches des filles étant donné que la nuit est un petit peu tombée, donc les mouches sont parties. Ensuite, je ferme Hermione dans le box afin de les séparer pour manger, pour qu'il n'y ait pas de chamaillerie ou des choses comme ça. Et ensuite, je vais leur donner le grain. Donc elles ont deux grains différents. Donc Mala, un grain spécial pour chevaux seniors et Hermione, un grain spécial pour poulain. Et après ça, je leur mets quelques petites tranches de foin chacune pour pouvoir grignoter jusqu'à la tombée vraiment de la nuit et qu'elle puisse aller dormir tranquillou dans le box. Ma routine du début d'après-midi jusqu'en fin de soirée est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre routine à vous. Et moi, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!